Salut les camarades, c'est X-Force. J'étais en train de paramétrer un netcode pour voir les nissons de Pamela Anderson avec des lunettes de soleil de vision nocturne. C'est génial, je m'éclate. Ouais, c'est cool. On va geeker avec White Shark. J'adore White Shark, je suis un abonné de White Shark. White Shark, c'est un mec, il est trop cool. Je t'explique, déjà il joue aux The Video, j'adore. Comme tu peux voir, j'aime beaucoup l'univers du The Video. Il y a de la rigolade, il y a du bon temps. Il y a des geeks comme moi, c'est cool. X-Force. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Arrête, Fortnite, c'est trop bien. En plus, il y a la saison 8 qui va bientôt commencer. On aura des pandas géants qui serviront de constructeurs alternatifs. C'est-à-dire que les pandas pourront construire à ta place. C'est trop bien, c'est trop rigolo. Et en plus, maintenant, on pourra péter et on décollera super vite. Tu feras faire XC en même temps, X comme X-Force, et XC en même temps, et hop, tu décolles plus vite qu'une roquette. Oh, ça va être trop fun. Bonsoir. Bonsoir. Oh non, c'est X-Force. Oui, c'est X-Force, oui. Salut, Benjamin. Écoute, X-Force, il me faut 10 minutes encore, 15 minutes. 10-15 minutes. On parle après. Je t'envoie White Shark, c'est un mec bien, hein. Il arrive, d'accord. Ok, c'est super. White Shark, bonsoir. X-Force, White Shark, X-Force. Moi je me casse, allez salut. Salut, White Shark. Je voudrais tout d'abord tenir que je suis un de tes plus fervents admirateurs et j'adore le contenu que tu proposes sur ta chaîne YouTube. Et je trouve que tu as une performance et un charisme assez exceptionnel et je suis très admiratif de cela. Performance, ok, charisme à partir de là, je sais que tu te fous de ma gueule, mais ça me fait plaisir dans le fond. Non, sérieux, je me fous pas de ta gueule. Eh, c'est pas un troller, moi. Ça se sent, Mary. Mary ? Ouais. Non, moi c'est X-Force. Pourquoi tu t'appelles Mary sur Discord alors ? Connard. Ah, mais en fait, t'as trop la grosse tête, toi, Histark. T'arrives comme ça sur le tunnel et tu dis que je suis un connard. J'ai changé depuis les 100 000 abonnés. Ah ouais, mais moi j'aimerais trop avoir 100 000 abonnés. Comment t'as fait pour avoir 100 000 abonnés? T'as des conseils entre copains, entre camarades de game? Faut pomper White Shark. Ah ouais. Ça marche bien. Ah bah franchement, si tu veux, on peut s'arranger un rendez-vous. T'es majeur? Dans 3 mois, j'ai 15 ans. Mais si tu veux, ça me dérange pas, j'ai déjà vu des films en taille. Ouais, et je sais ce que font les filles avec les poulpes. Ouais, bah moi j'étais gendarme et j'ai déjà vu les pédophiles en prison, donc non, ça ira. Mais pourquoi t'as été les voir en prison? Faut les voir à l'extérieur, sinon en prison y'a les gardiens qui peuvent vous stopper. Bah parce que c'est moi qui les ai posés en prison. Ah, t'es un policier pour de vrai. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est super impressionnant. Ah, le genre de type qui mettent des matraques dans le cul, des gens et tout. J'adore les matraques dans le cul. C'est une drôle de vie pour un gamin de 14 ans, ça se passe bien avec ton papa? Ouais, ça se passe bien, avec tonton aussi d'ailleurs. Ok, t'as gagné, j'ai perdu. Bon, ça te dirait qu'on se fasse un petit woodpack tous les deux en attendant? Un petit quoi? Woodpack. Woodpack? Ouais, tu sais pas ce que c'est woodpack, c'est la nouvelle map. Ah ok, ouais bah oui, woodpack. Ça marche. Outback, tu vas voir, c'est fantastique. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Branlette, Apex, Dodo. Branlette, Apex, Dodo. Oh là là, mais il y a plein de monde sur Apex en ce moment. J'ai essayé, ça m'a perdu. Ouais, parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu? Ouais, mais je crois pas, parce que franchement, je préfère les MMO. Ouais, l'argument, ouais, tu peux rien répondre à ça. C'est foutu. Non. t'es en live là? Ouais, affirmatif. Putain, ça veut dire qu'il y a tous tes viewers qui peuvent entendre ma voix. Ouais, ta douce et voix suave. Ouais, salut les viewers de White Shark. Moi c'est X-Force. Et ça c'est que j'aime beaucoup votre youtubeur préféré. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se joue parce que tu dois plus trop savoir jouer depuis la dernière fois. Ah ouais. Donc là tu prends un opérateur. En fait t'as le choix. T'as plusieurs opérateurs. On appelle ça des agents. Donne-moi un bon agent là. Oh bah là, direct, franchement, tu prends. Direct. Ouais, bah c'est bon, j'ai compris. Ouais. Merci pour ta réactivité. De rien. Sans précédent, jamais vu quelqu'un d'aussi rapide que toi. Bah, des fois, on m'appelle DDR4. On dit que je carbure, je balance trop d'informations. Ouais.
Ouais. Ça va être compliqué de faire quelque chose, non? Non, t'inquiète. Alors, avant tout, je t'explique, il faut communiquer avec ces mecs. Everybody, you are here. You can reinforce the windows on a wallpaper. On wallpaper? Ouais, c'est les murs. Ouais, les wallpapers. Ouais. T'as des murs chelous, toi. Non, moi j'ai frost. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Et ils sortent d'où les frosts? Tu les as tous dans ta poche? Parce que ça a l'air quand même assez volumineux, ces trucs. Bah, c'est un jeu vidéo, White Shark, enfin, c'est pas très très réaliste non plus. Ah, ok, c'est pas réaliste, donc on est censé s'amuser dessus. Pourquoi je m'amuse pas? C'est parce que t'es pas concentré. Si tu te concentres pas, tu peux pas t'amuser, c'est normal. Tu vois, regarde, moi j'ai vu une stratégie, j'ai mis... Oh, bien Waze. Moi j'ai mis un frost sous une fenêtre. Et ça, les gens pensent pas le faire. Et je suis un des premiers à l'avoir inventé, cette technique. Tu la mets sous la fenêtre, comme ça, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la fenêtre et il va tomber dessus. J'ai cassé un... Ah, désolé, Smoken. Sorry, Abodis. That was your drone, sorry. Bad reflex, son. Non, t'es pas fait exprès, arrête de vouloir me tirer dessus. Aïe. Eh, je vais te dire une blague, je suis sûr qu'on te l'a jamais faite. Regarde. Eh, hey, White Shark, viens voir. C'est sur le requin, c'est sur ton aileron. C'est super. Tu l'aurais senti si t'étais assis sur mon aileron. Oh, Dieu, c'est coquin. C'est... Je peux te demander un truc, s'il te plaît, White Shark. Je sais que t'es connu et tout, et que t'as plein de fans et tout. Mais j'aimerais, en tant qu'admirateur, j'aimerais te demander, est-ce qu'un jour, ça sera possible de jouer avec toi à The Division 2? Bah ça, clairement. J'adore The Division 2, j'ai trop hâte. Sinon, tu t'amuses? Ça respire le fun, là. D'accord. Heureusement que t'es là pour mettre l'ambiance, hein, parce que pouh. Ok, merci. Eh, vous pouvez vous abonner à la Salty Academy si le cœur vous en dit. Ouais, j'aime bien faire des accroches qui riment. C'est un peu ma marque de fabrique. Comme ça, les gens, ils se disent, oh, il a fait une rime. Attends, je vais aller sur ta vue pour voir un petit... pour t'expliquer un peu comment je veux faire. Alors là, tu vois, les téléphones, c'est des faux, c'est des factices. Tu peux pas si tu peux pas téléphoner. Ouais, c'est sûr. Ouais. Oh là là, double kill, il a presque fait. Je l'ai fait. Ouais, il l'a fait. C'est pas mal. Franchement, pour un débutant, tu t'arrives à faire des trucs qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est on clash. A gagné. X-Force représente avec White Shark, la team de rêve. Alors, je vais te poser une question qu'on a déjà dû te poser 10 milliards de fois et ça se trouve, ça va trop te saouler. Mais alors, est-ce que R6 et toi, c'est vraiment la fin? Est-ce que tu vas plus jamais rejouer en tant que joueur Salanger ou Pro League? Je pense pas que je vais rejouer au niveau sur une Rainbow Six, du moins essayer de récupérer ma place. Ouais, c'est bon, simplement on s'en fout, tais-toi, tu m'as saoulé. T'es sérieux, gros? Non, mais très sérieusement, donc ouais, tu les auras plus vraiment... Compétitivement parlant, non, le jeu me plaît plus assez compétitivement. Je viendrai toujours m'amuser de temps en temps. Oh, j'ai pas de viseur non plus. Je viendrai quand même m'amuser de temps en temps parce que ça reste un jeu qui me plaît, mais plus comme avant. Alors du coup, ça s'enchaîne avec une autre question. Est-ce que la compétition en elle-même n'est pas une sauce qui va te manquer? Ah si. Bah ouais, carrément. C'est bien pour ça que je vais essayer de saisir le coche compétitif sur Apex. Ah ouais, ah d'accord, ok. J'attends la... Je suis en attente de nouvelles. D'accord, oh, ça peut être très intéressant. Ouais, parce que j'allais dire, arrêter un jeu vidéo, parce que voilà, bon, ça, tu peux le comprendre, pas de soucis. Mais l'appétit, ouais, j'utilise des termes comme ça, métaphoriques avec le culinaire. L'appétit, la compétition, ça doit être quelque chose qui doit être dur à se passer, quand même. Ouais, ça te manque au bout d'un moment, même si ça te saoule. Ça me saoulait, avant de tryhard tous les jours, pour deux matchs le lundi, mais au bout d'un moment, ça te manque. Mais quelque part, du coup, quand même, le tryhard sur Apex est moins prononcé que celui sur R6. Parce que sur R6, c'est des calls à maîtriser, c'est des strats, des anti-strats. Là, sur Apex, je pense que c'est surtout du skill à travailler, des trucs comme bah, ça. Bah, le skill et les mécaniques. T'as des mécaniques de wall jump, t'as des rotations à maîtriser, t'as plein de trucs à maîtriser en vrai. Ouais, il a un peu du mal. Moi, je t'ai vu dans la vidéo de Tony. Ah ouais? Je t'ai reconnu, ouais. T'es le mec avec les cheveux frisés, non? Tighty Bob. Quoi? Bob, Tighty Bob. Putain, c'est Tighty Bob. Tighty Bob. Je te kiffe, Tighty Bob. T'es pas le mec qui a beaucoup de cheveux comme ça, là?
Bah non, sachant que des cheveux j'en ai presque plus, c'est compliqué. Bon attends, t'es qui? T'es White Shark? Ouais, celui qui ressemble à Koé. On te voit Limaz, t'es comme ça avec tes cheveux bouclés en trompette là. T'es en train de parler, tu fais oui, merci, c'est tout. Hein. Il nous rejoindra quand même après parce que ça va être long le reste de la soirée comme ça. Pourquoi? On s'éclate là.